Salut à tous, ici Fux et Lax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu, il a tellement changé, regardez-moi ce lobby. Waouh! Et en plus il est en mode un peu Halloween. Oui, parce qu'on est encore en mode Halloween. Bientôt on sera en mode hiver. Hein. Bien sûr, Phasmophobia est un jeu qui se joue à plusieurs, donc je ne suis pas seul, je suis accompagné de TheFan3000, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, par contre il y a un truc ici là. Ah. Tu le vois là? Oui. Il y a un espèce de zombie. Ok. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps que t'es pas venu dans les vidéos toi. On t'a quasi jamais vu. Mais en même temps tu passes généralement que dans les lives et t'as fait une vidéo avec moi, c'est tout. Mais on n'a jamais vraiment fait de vidéo à deux. Donc du coup, voilà. Et au passage, tu es mon mini-maker. Oui, toutes les miniatures que vous voyez, c'est lui qui les fait. Elles sont incroyables, magnifiques, n'est-ce pas? Et oui. Waouh, calme. Ouais, bien sûr. Donc, je propose qu'on commence par Tanglewood. C'est la basique, la première. Je l'avais déjà testé auparavant, mais pas avec toi. Donc, on est prêt, c'est parti, on va découvrir ça, ça va être incroyable. Il n'y a qu'une seule lampe torche, mais c'est pas grave, on y va, c'est parti, démarrer. Là où tout a commencé, nos premiers rapports sur des phénomènes paranormaux viennent d'ici. C'est petit, mais cet endroit recèle plus de secrets qu'il n'y paraît. Oh, intéressant, donc il m'entend pas pour l'instant jusqu'à ce qu'on spawn. Ah. Ok. Alright, we're here. Tu m'entends, je t'entends, c'est parfait. Du coup, t'as les équipements sur là, du coup. Donc tu peux les prendre, tu peux prendre celui que tu veux. Enfin, ceux que tu veux. Prends la Ici, on a la caméra devant la porte. Là, on a un timer. C'est en gros les 5 premières minutes, le monstre est assez soft. Puis après, une fois que le timer est fini, bah, il nous attaque. Donc, faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse, très bien. Atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25%. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition de l'entité. D'accord. Donc, bah, on peut prendre nos équipements. Hein. Donc, avec la souris. Par contre, du coup, j'ai l'espèce de radio là. La radio ? Ah oui. Cette espèce de radio là, regarde. C'est la radio, ouais. Donc moi je vais prendre le MF. Bah le truc là, le baromètre. Le MF c'est pas mal. Et en les notes. Deuxième option je prends les notes. Et toi t'as quoi en troisième? Moi j'ai température et j'ai radio. Et en troisième je sais pas. Bah moi en troisième je vais prendre ce petit truc. Bah moi en troisième je prends ça. Voilà. Bah on est parti, c'est parti. Donc, je pense que c'est comme ça pour ouvrir. Là, les portes s'ouvrent. Je prends la clé de la maison qui était juste à côté. Et on y go. Ma tête, elle est allée dans ta tête et j'ai vu ta mâchoire. C'est très flippant. Oui. Ok. On déverrouille et on entre. Oh. On commence à gauche. J'allume les lumières. Faut que je sorte le MF. Hop. Voilà. On détecte s'il y a de la présence. Ici, il n'y a pas de présence. Température, elle doit être en dessous de combien? Elle doit être en dessous de, on va dire... Oula! Le MF à 5. Il était à 5. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, ça commence chaudement, là. Il se vénère quand on allume les lumières, quoi. Mais en tout cas, le truc... Le MF était déjà à 5, hein. Donc, dans le journal, on peut mettre... du coup, dans... Alors, j'ai ouvert le journal avec J. Objet, vue d'ensemble, photographie, preuve. Donc, preuve, on active le MF niveau 5, ok? Donc, déjà, le MF niveau 5. Ça, c'est sûr. Après, il faut détecter où est-ce qu'il est. Il doit pas être long. Température à 20 degrés, c'est bon, ça? Oui, c'est large. Normalement, c'est 20 degrés. Si ça atteint 0, là, il y a un problème.
Ok, on continue. Ok. On a la chambre ici. Pas d'activité d'après le MF. Ici non plus. Oh, ça a grincé. Un placard non plus, très bien. On continue. Le salon, magnifique. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ça s'est fermé quelque part. C'est pas là. Hein. Ce serait pas là? Non. C'est pas ici. Je sais pas où est-ce que c'était, mais bon. Ok. C'est peut-être une porte qu'on n'a pas encore vue. La température, elle était à 10 tout à l'heure. On allume. Ça, c'est la salle à manger. Y a rien. Je vois rien. Ah, là. C'est qui dans le tableau? Cuisine. Dans le tableau, je sais pas du tout, honnêtement. Peut-être un ancêtre des personnes qui habitent là. Ok. On va entrer dans le garage. Ça, c'est la buanderie. Là, on est dans le garage. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Très bien. Bah, du coup, on va aller à la cave. Allumer la lumière. Mm-hmm. On descend à la cave. Ça grasse bien. Ça grasse. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'activité ici, en tout cas. Bon. C'était plus dans la chambre. Ouais, c'était plus dans la chambre où on était tout à l'heure. On va y retourner. Mais il y a eu de l'activité. Dès le début, paf, il nous spawn. Mais il y a toujours rien dans le MF. Ouais, non, il y a plus rien. Je sais pas pourquoi. Peut-être dans le placard. Non. Non, il y a rien. Je sais pas où est-ce que ça pourrait être. Ou éventuellement dans la chambre d'à côté. Ah, je vois rien. Clac. Ouh, c'est une chambre d'enfant. Non, on peut pas ouvrir. Mais là non plus, il n'y a rien, c'est bizarre. On fait quand même une grande recherche, mais sans aboutissement. On va revérifier cette chambre. Tiens, il y a... Pourquoi il s'ouvre pas? Bizarre. Ah, c'est avec la caméra. Oui, c'est avec la caméra. S'il y a rien. Ici non plus. Il y avait de la poudre. Où ça? Une espèce de poudre là, ici. Tu vois de la poudre? J'avais vu de la poudre. Genre, comme des grosses particules blanches là qui avaient spawn. Sérieux? Ah bah la température elle baisse. Elle a combien? Elle baisse. Elle baisse. 10 degrés. Tiens, elle est là la poudre encore. Ah ouais. 10 degrés. Ça c'est température glaciale. Ça baisse. Ça veut dire que la température elle baisse énormément. Ça veut dire qu'il est là. Oui, là, 5 degrés, Je vais jeter le notebook. On va voir s'il fait quelque chose. Mais du coup, on peut mettre en preuve les températures glaciales. La porte s'ouvre. Où? Juste derrière toi, et c'est ouvert. Non, elle. Elle? 0 degré. Ah! Pas ici. Mais c'est ici qu'il fait froid. 0-0. Ok, s'il fait froid, ok. Mais tout à l'heure, ça nous a mis level 5 quand même. Donc faut inspecter cette chambre. T'aurais pas une caméra ou quelque chose, une spirit box? Ici, ça baisse encore plus que 0. Étrange.
étrange. Attends, ça doit être là, là. Ça doit être là, dans la salle de bain. C'est dans la salle de bain. T'es sûr? Ça grince. Ouais, ouais. Oh. Il a coupé les plombs. Tour de courant. En dessous de zéro, c'est en dessous de zéro. Ici, c'est en dessous de zéro. Ok. Le notebook là, non? Le notebook, ouais, faut le déplacer. Je vais le déplacer. Après, on part allumer. Punaise, j'arrive pas à le récup. Mais je vois rien. Mais récupère le notebook. Ah, voilà. Punaise. Clac, je le mets là. C'est ça? C'est là où il y a les températures. Ouais. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment en dessous de 0, c'est presque à moins 5. D'accord. Je vois rien niveau orbe ou quoi que ce soit. J'ai rien d'autre à part ça. Est-ce que ça dit quelque chose dans la spirit box? Attends, la radio, elle est... Non, il y a rien en fait dans la radio. D'accord. Bon bah viens, on va chercher d'autres objets. Donc, j'ai un slot de livre, donc je vais prendre la caméra. Comme ça, on pourra la poser là-bas. À la place de la radio, je prends ça, non? Non. D'accord. Donc, je vais aller poser la caméra. Ah non, ça a monté, ça a monté. Ça a remonté? Il fait 5 degrés là maintenant. D'accord. Enfin, ça baisse. Ça baisse. Non, en fait, non, ça rebaisse jusqu'à là où c'était. Ah, où est-ce que je peux la poser? Je peux la poser éventuellement sur les chiottes. Ou pas. Je peux la poser là. Wow. Comment et je la pose? Là, elle a sauté. D'accord. Viens voir là, il y a une bouteille, elle a sauté. Où ça? Là, là, là. Ah ouais. Je sais pas de quel sens il faut la mettre. Est-ce qu'elle est bien mise là? Tu vas voir? Attends, je vais aller voir sur le PC. Ouais. N'oublie pas, si tu restes appuyé sur B, on peut se parler en radio. Allô, allô. 1, 2, 1, 2, je t'ai entendu. Ok. Bien reçu. Oula. J'ai entendu des bruits. Comment on met la caméra du téléphone? Enfin, de la caméra, là. Change avec la souris. Bien mis parce que on voit que la fenêtre. Ah, wesh, j'ai vu des particules blanches. Attends, je vais la changer de sens. Je t'entends pas. Hein. Attends, je vais la changer de sens. Ah ouais, là, je te vois changer de sens. là, elle regarde. Oh, attends. Est-ce qu'elle regarde bien? Ah ouais, là c'est bon, je vois bien. Par contre, ouais non, c'est bon, je vois bien. Elle est bien calée. Tu me vois? Vas-y, taille. Ok. Ok. Bien. Tu vois bien? Ben ouais, là je vois bien. Ça marche. Ok, j'arrive, je suis à côté. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. D'accord. Enlève ta torche. Donc on voit la salle pour de bain. Pour l'instant, il y a rien. Ah, mais elle est retournée sur le côté. C'est pas grave, on voit bien. Non, mais...
Attends, je vais prendre ça et je vais aller le mettre. J'entre. Oula, c'est toi qui fais péter un câble? Oui. Arrête de faire ça. Bah là, je te vois, mais je vois. Oh! Wow. Quoi? Je t'entends pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, je vois de la lumière bien bleue. Oui, c'est moi. Oh, j'ai entendu une porte. Je viens. Viens, ouais, faudra analyser. Calme-toi. Oh, j'ai entendu. Oh, moi aussi. Je suis dans la salle de bain. Dépêche-toi de venir. Je vais encore être où aller, je crois. Ah non, c'est bon. L'eau coule, je crois. Eh oui, j'ai entendu le... On est d'accord. C'est moi, j'ai fermé. Et le carnet de notes, il y a toujours un dessus. J'ai pas l'impression, non. Oh, ça c'est bien, ça fait de la lumière à l'infini. Et c'est pour voir les les empreintes. Hé hey ah. Putain, Google. Là, on va dans la cave pour voir. On va aller partout, oui. En tout cas, dans la pièce, il faisait... Ça a commencé à baisser beaucoup, mais... Ici ça va. Ici y'a rien. Hey, y'a une pièce qu'on n'a pas visitée ici. Eh bien on va activer les plombs là, comme ça on a les murs. Ouais. On peut se cacher dans les placards. Ça sert pas à grand chose. T'es sûr que c'est ici qu'il faudra activer? C'est pas dans le garage? Si, là non. Non, c'est dans le garage, j'en étais sûr. Si, c'est là, regarde. C'est bon. T'es sûr? Ouais, je l'ai réactivé, regarde. Ah ouais? Ok. Fais gaffe, hein, maintenant, si. Il a vu, on a remis la lumière, il va radier. Oh! Il est là! Oh, wow! Ouvre la porte! J'essaye! Non, il m'a eu. Non. Oh bordel! Oh mon dieu! Il est contre le mur comme ça, c'est hilarant. Il m'entend pas, mais c'est hilarant. Attends, faut que je jette ça. Que je prenne la lampe torche. Il m'entend pas. Il m'entend, mais moi je l'entends pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Qu'est-ce qu'on peut mettre qu'il n'y a pas eu? Ben, l'écriture fantomatique, il n'y a pas eu. Spirit Box non plus. Ultraviolet non plus. Donc c'est un Oni. Supposons. Ok. Bon, on va repartir avec la supposition que c'est un Oni. Et on se barre. On est en niveau mental très bas. 14. C'est très bas. Listen, job's ready.
Ok, on n'a pas trouvé le type d'entité. Oh, on y était presque. Waouh, mais non, on y était tellement presque. Bon. C'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage, hein, tu t'es fait bouffer. Hein. Moi, j'ai fait des suppositions, pourquoi mais c'est vrai qu'il était dans des propositions, Jean. Oh. J'ai hésité de le mettre, hein, mais bon. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir d'autres vidéos de ce genre. Du coup maintenant, en effet le planning a changé. C'est une vidéo le lundi, le mercredi, le vendredi. Mais le thème du jeu peut être totalement différent. Donc on peut mettre n'importe quel jeu à n'importe quel jour. Ok? Je pense que c'est mieux plutôt que d'avoir tout le temps un thème qui est imposé. Genre comme ça, ça me laisse plus de liberté, comme ça, ça vous laisse des vidéos à avoir, tout simplement. Puis, on peut vous faire du contenu très intéressant. Voilà, donc, voilà. Ben, sur ce, mettez un commentaire, je réponds à tous vos commentaires, absolument tous. Oui. Sur ce, moi, c'était Fuxelax. Lui, c'était TheFun3000, que vous reverrez sûrement. On vous dit à la prochaine, peut-être. Ciao, les amis. À plus.